Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du Japon et du Bénin. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner les infos là sur nu et dur. Ah ouais, je viens là ce soir-ci là, non. Je viens là devant vous, ce n'est pas pour vous donner une nouvelle très intéressante. Bon, c'est triste. C'est une nouvelle triste parce que ça m'a un peu fait. Depuis un certain temps là, j'ai observé. De temps en temps, je passe sur la page de ce tonton-ci là. Oui. Oui, ce tonton-ci là, depuis un certain temps, ça ne marche pas. Oui. Je me souviens, il y avait un temps là, c'était là, il a commencé à faire les lives avec Kimi. On disait que wow, les gens ont commencé à l'associer avec Kim qui devait avoir quelque chose, c'est monté, descendu. Après, bim, Kimi est sorti, dit qu'ils sont que des amis. Vous comprenez, non? Oui. Voilà, le tonton là en question, oui. Parce que le tonton là en question, c'est ma nature. Oui. Ce tonton là, c'est ma nature. Ça ne va pas avec ma nature. Ça ne va pas. Vous avez suivi d'abord, il y a cela que 2 mois ou plus, même, il a eu l'accident. Plus de 2 mois, il a eu l'accident. Cameroun, là, oui. Il était hospitalisé là et tout et tout. Il a fait les vidéos ici. J'ai même posté la vidéo sur la page là, oui. Les gens ont participé, vous ont envoyé les messages d'encouragement et tout et tout et tout. Et ça allait, après ça allait déjà. Il marchait avec une béquille, mais il faisait déjà ses challenges. Et à un moment, il a commencé à laisser même la béquille. Il faisait déjà ses challenges, bien là, oui, tout. Mais alors, subitement, j'entre aujourd'hui là, je vois le poste d'une femme là. Elle dit, oh, que Dieu vienne en aide à qui là, c'est ma nature. Et l'autre, elle a encore appelé un nom là, c'est Nadia, c'est qui là? La femme de Ariel Chény, quelque chose comme ça. Je dis, hein? Parce que la santé, ça ne va pas. C'est là où je suis parti, sur la page de ma nature. Parti voir. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu, il a mis une vidéo, la vidéo que la photo que vous voyez derrière là. Il a mis, il a dit aux gens d'aller à la description pour parler. Il a parlé, il dit qu'il a, ça fait plus d'un mois qu'il est hospitalisé. Ça ne va pas. Oui, que ça ne va pas. Qu'il remet tout entre les mains de Dieu. Il n'a pas vraiment dit ce qui ne va pas avec lui. Mais avant même ça, j'ai vu certaines vidéos qu'il faisait déjà, il y a cela plus d'un mois. Il postait. Il disait que, mais, que rien ne va dans sa vie. Que, arrivé à un certain moment, tout ce qui touche, ça se gâte. Il ne sait pas. Donc, c'est comme tu arrives dans un couloir sans issue. Tu ne vois pas la sortie, tu cherches la sortie, tu ne vois pas. Oui. Tu connais la sensation. C'est comme tu sens comme encerclé, rien ne va. Un moment dans notre vie, on traverse ces étapes comme ça là. Où tu te dis que mais c'est comment? La nature est contre toi ou bien c'est quoi? Rien ne marche. Je me dis que on devrait laisser tous les trucs, les petites polémiques, les petits trucs qu'on fait là. On soutient ce garçon. On soutient ce tonton. Oui. Même si ne serait-ce qu'en prière. Oui. Même si ce n'est pas financièrement. Parce que je vais là mettre un lien. Le lien PayPal sur sa page. Pour ceux qui veulent participer pour l'aider quoi financièrement. Donc même avec une prière, avec un vœu, une bonne pensée, une pensée positive, ça va l'aider. C'est comme ça. Enlevons la négativité, toute la négativité. Il faut qu'on aide ce tonton-ci là à sortir de cette situation. Oui, c'est comme ça. Tu sors de cette situation. Dès qu'il est bien, il revient. On continue nos clashs. Oui. Parce qu'on ne désire pas le mal, on ne dise le mal à personne. Oui. Donc pensez, s'il est malade là, ou bien il rip, parce qu'il a dit qu'il était au bord du rip, hein, oui. S'il rip là, on va encore clasher avec qui? Franchement. Donc laissons, déposons tous les trucs là. On prie pour ce tonton, pour qu'il revienne. Oui. Vous qui êtes sur les métas, que vous sauvez les gens, les pasteurs, là, oui. C'est ton rôle maintenant. Marco sort. Tu dis que le Saint-Esprit localise les gens. Envoie ton Saint-Esprit que tu envoies seulement à localiser ma nature. Il a besoin de toi, là.
Oui. Le Saint-Esprit que tu connais localisé dans un rien que pour l'argent là. Et oh, le Seigneur va vous rendre riche. Oh, le Seigneur va... Non. Parce qu'un qui a vraiment besoin du Seigneur envoie le Saint-Esprit. Là, ce n'est pas la blague. Je parle sérieusement. Ce n'est plus qu'on est là dans les histoires de clash. Non, non, non. Qu'il envoie son Saint-Esprit qui dit souvent qu'il a là. Sauver ce petit frère, ce tonton. Oui. Dès que ce tonton sera bien, on recommence. On dit, mais tu places-toi ici là. On recommence nos trucs. C'est comme ça. La famille. On ne souhaite le malheur à personne sur la toile. À personne. Oui. Faut qu'il recouvre sa santé. On remet tout entre les mains de Dieu. Oui. On ne souhaite le malheur à personne. Franchement, je vous dis ça de tout cœur. Oui. Moi, quand j'ai vu ça. Après, je suis tombé sur la vidéo hier soir, j'ai remarqué, il a publié que rien ne va, tout ce qui touche, ça se gâte. Ça m'a fait un jar, sans vous mentir. Ça m'a fait franchement un jar. Il fait ça, il était à côté d'une rivière là, là où il faisait la vidéo. Que rien ne va. Ça m'a fait un jar. Après, quelques temps après, il est hospitalisé. Ça veut dire c'est quoi? Il faut qu'on fasse attention avec qui on se frotte sur le métal. On doit faire attention avec qui on se frotte sur le métal. Il y a des gens qui viennent sur le métal. C'est pas comme les nous là. On vient simplement là. Nous, on vient nous simplement. On vient là. Non, il y a des gens qui viennent pour des buts très précis. Faut faire très attention avec qui on se frotte sur le métal. Je ne connais pas la cause de ces malheurs, ni tout et tout. Mais je vous dis seulement, on fait attention avec qui on se frotte sur le métal. Les gens ne sont pas simples sur le métal. Il y a trop de spiritualisme, il y a trop. Il y a trop le mystique sur la toile. Oui, il y a trop le mystique sur la toile. Faites attention avec qui vous vous mélangez. Là, tu te mélanges avec les gens, tu es la SM, tu viens avec tes trucs, mais tu ne vois pas que les gens viennent la compliquer. Ils savent ce qu'ils cherchent. Sur toi ou bien sur les autres, ils savent. Il faut faire attention avec qui on se mélange. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Pendant ce temps, je vais exhorter au pasteur là, à envoyer votre Saint-Esprit là, localiser ce garçon, ce tonton. Oui. Localiser ce tonton. Oui. Ce tonton-là, il est resté lui tranquille. Oh. Il n'a rien demandé à la maladie, oh. Ni au malheur. Les malheurs sont venus seuls le retrouver. Il n'a rien demandé. Oh. Donc, vous les pasteurs, envoyez votre Saint-Esprit délivrer ce petit-ci-là. Soignez le petit-ci-là. Oui. On se prend à très bientôt pour une vraie vidéo. Bisous et hasta pronto. Bon entendeur, salut. Ne mettez pas les organes.